J'ai connu les jardins de Cocagne, donc j'ai été tout de suite intéressée par la démarche. Avoir des légumes frais au niveau personnel, c'est très intéressant. Et puis, d'autre part, il y a l'autre aspect, c'est-à-dire rendre service à des gens qui font partie de cette démarche et qui travaillent au jardin de Cocagne. Donc, il n'y avait pas seulement l'aspect personnel, consommer des légumes frais, mais ce qui est très intéressant, parce qu'au bout de 5 mois, 4-5 mois maintenant de, comment dire, d'utilisation, on se rend compte que les légumes sont très bons et que ça a un autre, comment dire, une autre qualité que ce qu'on peut acheter ailleurs. Donc ça nous conforte dans cette démarche. On est plusieurs et on mutualise un petit peu nos moyens pour venir chercher les différents paniers chaque semaine. C'est très varié, hein. Chaque semaine on a des produits différents, ce qui est très intéressant au niveau culinaire, hein, pour faire goûter. On retrouve des anciens légumes qu'on n'avait plus l'habitude d'avoir. Et ça aussi, ça permet aux jeunes de retrouver des goûts plus anciens, disons. Là, ce sont des produits qui se conservent et pour lesquels on n'a aucun problème, qui ne sont pas abîmés au bout de 2 jours comme on peut le trouver ailleurs. Donc c'est plus intéressant aussi au niveau qualité. Le fait de trouver une alimentation bio, locale, tout ça, c'était quelque chose que je recherchais. Donc quand j'ai su, en plus on travaille sur le secteur, quand on a su qu'il y avait les jardins de Cocagne qui s'implantaient à Rhône, juste à côté de chez nous, on est venu se renseigner assez vite. Et puis la formule est pour moi idéale. La formule est idéale pour compléter, même pour ceux qui ont comme moi un petit potager chez soi. On n'a pas des légumes aussi variés toute l'année. En plus ici on a des idées recettes, c'est une super idée. Il y a une convivialité avec l'équipe. Moi, je suis hyper satisfait de la formule, quoi, telle qu'elle est proposée. Il y a toujours les freins habituels du prix. Le problème, c'est qu'on connaît pas on connaît malheureusement pas souvent le vrai prix des bonnes choses, quoi. On a été trop habitué à acheter des légumes pas chers, qui sont pas bons. Donc, moi, je trouve que le tarif, il est honnête. On fait découvrir aussi autour de nous. On fait part de notre satisfaction à la fois au niveau de la qualité, de la découverte, parce qu'il y a quand même des produits qu'on ne connaissait pas et qui sont excellents. Et le principe en lui-même est vraiment bien, on ne regrette pas du tout. Moi je suis une famille de 4 personnes aussi, on a hâte le mardi également de récupérer notre panier pour découvrir d'autres choses et manger des légumes dont on connaît la provenance et on le ressent dans l'assiette également.